Il y a un projet de réforme de la médecine de ville autour de l'hôpital qui a été présenté il y a peu de temps. Comment vous abordez ce projet de réforme par rapport à vos préoccupations ? Alors, vous savez, donc le président de la République, je vous remercie de cette question, a fait un discours le 13 septembre 2018 où il annonce Ma Santé 2022. Donc c'est le plan qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et dans les mesures qui ont été préconisées, il y a effectivement améliorer la médecine de ville, doit un peu plus travailler en réseau avec l'hôpital. Alors, ce n'est pas tout à fait notre thématique au niveau de l'association Jean-Louis Médien, parce que dans ce projet de loi qui a été présenté par le président de la République, le président de la République dit des choses fortes. Il dit il faut redonner du pouvoir à l'exercice des médecins à l'hôpital public. Il faut redonner du pouvoir au président de la commission médicale d'établissement. Il faut redonner du pouvoir au personnel soignant. Il ne dit pas la méthode. Nous, on dit la méthode. Mais pour le moment, ce qui a été adopté ne concerne que la médecine de ville. Et il y a un volet qui doit arriver sur la médecine à l'hôpital public et qui devrait être par ordonnance. Et moi, je suis très inquiet quand on procède par ordonnance sur un sujet aussi délicat, aussi important que la santé de tous les Français. On préfère que ce soit la représentation nationale qui légifère plutôt que ce soit élaboré dans un bureau entre quelques personnes avec des lobbies qu'on sait très bien agir parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent absolument pas que ça change, qui veulent continuer dans cette logique. Donc pour le moment, effectivement, on est au premier volet de cette loi. On a des informations qui tendraient à nous dire qu'il n'y aura pas de deuxième partie de la loi. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que le maximum d'amendements qui permettront de voir un hôpital, d'avoir un hôpital avec une gouvernance modifiée, passe par voie législative plutôt que par voie de décret ou d'ordonnance. D'abord, je voudrais vous remercier pour la justesse de vos propos. Alors, je me permets de dire ça parce que je suis praticien hospitalier, retraité, jeune retraité, et j'ai fini ma carrière une chose que je n'imaginais pas par un burn-out. Donc je vous remercie parce que c'était vraiment, tout ce que vous avez dit était vraiment pour moi très, très dans le vif du sujet. Et dans ce sujet, moi j'ai noté quand même des paradoxes, donc j'aimerais un peu avoir votre réflexion par rapport à ces paradoxes et l'incrédulité. Alors le thème de le paradoxe, c'est d'abord que quand on côtoie le milieu hospitalier, qu'on soit patient ou exerçant dans le milieu hospitalier, on connaît la motivation, qui est très importante, que ce soit des paramédicaux ou des médicaux. C'est pour ça que l'hôpital tient encore, malgré la gouvernance actuelle et malgré les pressions qu'on exerce sur le personnel. Heureusement, ce personnel est admirable. Il fait, avec de moins en moins de moyens, des choses extraordinaires. Il va y avoir, et il y a déjà des points de rupture, comme je vous l'ai dit, sur certaines pathologies. Donc je veux dire que dans cette motivation, en fait, on peut obtenir énormément, et les gens sont prêts à donner énormément. Et donc c'est assez paradoxal qu'on arrive à des situations de burn-out ou de suicide, alors que les gens demandent juste d'être des fois reconnus dans leur activité, dans leur travail, dans les heures qui ne comptent pas, etc. Ça c'est le premier paradoxe quand même. Le deuxième paradoxe que je vais noter, c'est que finalement, personne n'est insensible aux problèmes économiques. Tout le monde comprend, je crois que ce soit le soignant ou le patient, on comprend que, effectivement, s'il y a des économies à faire, peut-être on peut les faire. Mais là aussi, il y a un manque de dialogue. C'est dommage aussi qu'on passe à côté, parce que les gens pourraient des fois déterminer eux-mêmes là où ils pourraient peut-être créer des économies. Et ça, c'est une scission qui est un peu, à mon avis, malheureuse. Non, mais vous avez raison, on est dans une absence totale de dialogue entre une direction, une administration qui a les pleins pouvoirs et des personnels de soins qui sont complètement désarmés. Et il faut remettre dans un système aussi complexe que l'hôpital public, avec les évolutions dans le domaine de la médecine, on ne peut pas avoir un directeur raide commande qui décide pour tout le monde sans consulter. Il y a un exemple caricatural du fonctionnement aberrant de l'hôpital actuellement, c'est que
quand un directeur d'hôpital dit « il y a des problèmes dans tel secteur », il suffit d'interroger le personnel pour savoir comment les corriger. Ben non, ce qu'il fait, eh ben, il va faire un audit. Il commandite un audit externe. Alors, je prends un exemple, dans un centre hospitalier, des informations très récentes, ses conclusions ne lui conviennent pas. 80 000 euros, c'est parti en fumée. Il dit, on va faire un deuxième audit. Voilà. Non mais, c'est-à-dire, et la plupart du temps, si vous voulez, les audits qui sont faits, ça aurait coûté 0 centime, parce que ça enfonce des portes ouvertes. Il suffisait d'interroger tel cadre infirmier, tel chef de service, qui aurait remonté pour 0 centime. Il n'y a plus de dialogue. Et c'est, ça marche comme ça. C'est-à-dire, on plonge la main dans les caisses, on dit, on n'a pas d'argent, mais on flingue 80 000 euros pour rien. Dire, bah, voilà. Et on n'a pas de compte à rendre. On n'a pas de compte à rendre. Ça, c'est absolument pas normal. On est dans un système où, sous prétexte que... et je comprends le discours des politiques. Le discours des politiques, c'est de dire quoi ? Ils sont conscients de ce qui se passe. Voilà, je pense qu'on y a contribué avec un certain nombre de passages médiatiques, avec le livre, à faire mettre sur la place publique le problème de la détérioration de l'hôpital public. Mais ils sont à la croisée des chemins, les politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, mais le bras armé de notre politique de restriction budgétaire, c'est les directeurs d'hôpitaux. Et on ne veut pas les mettre en difficulté. Et donc, on laisse faire, on est complaisant. Je pourrais citer plusieurs exemples de CHU en grande difficulté, y compris aujourd'hui, avec des directeurs fous, véritablement, psychiatriques. On fait des alertes, le doyen rend son tablier, je ne peux rien faire, je décide de rendre mon tablier. Les anesthésistes sont partis, ils sont tous partis. En médecine interne, ça ne veut pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ben non. Dis non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des systèmes de réseau. Tel directeur de CHU est en très bonne relation avec quelqu'un qui est au directeur, qui est directeur de cabinet ou directeur adjoint, et on n'y touche pas. Ou alors, si on dit on y touche, mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Le mettre en situation difficile, donc on va attendre un an ou un an et demi. Mais quand vous avez une collectivité en souffrance d'une façon diffuse, je veux dire, c'est une irresponsabilité. Pourquoi ? Parce que les gens partent, les patients sont de plus en plus inquiets, les élus politiques disent « mais je ne comprends pas, ça ne va pas, il faut... » Ben non. Et le temps d'action au niveau des tutelles est un temps d'action beaucoup trop long par rapport à des situations qui nécessitent des traitements urgents pour, je dirais, assainir l'état moral d'un établissement et l'exercice professionnel de ses personnels. Donc on a, de temps en temps, on a l'impression qu'on a affaire à des irresponsables. C'est-à-dire que quand on dit, ben, OK, il faut protéger ce directeur, donc on ne va surtout pas le dégager maintenant, alors que c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait faire. En conséquence de quoi, on met une collectivité médicale en danger. Deuxième conséquence, ces personnes qui sont pas très nombreuses, mais qui rend la situation d'un hôpital public extrêmement précaire, au lieu de les mettre dans un bureau à compter des trèfles à trois feuilles, et ben on va les mettre dans un autre établissement. Et donc, on va les exposer, on va exposer cet établissement à un danger crucial. Et ça, nous, on a, au niveau de l'association, dénonce le comportement de certains de mes collègues. Moi, je suis le premier, parce qu'il y a un certain nombre, vous avez bien compris, dans le sens de mes propos, quand je dis qu'un certain nombre de collègues agissent mal, parce qu'ils rentrent dans cette politique de chiffres à tout prix, dont ils y perdent leur âme, ils y perdent la qualité de leur exercice professionnel. Mais parfois, ça va plus loin dans les conflits interindividuels. Ben, je suis ambitieux, je vais écraser le collègue qui est à côté, je vais lui rendre la vie impossible. Et je sais que je ne crains rien, puisque je suis du bon côté de la barrière, et je suis du côté de l'administration. Et ça, c'est bien. Donc nous, on dénonce ces situations-là. Ce qu'on voudrait, c'est que sur le versant administratif, il n'y ait pas que du lobbying, et qu'à un moment donné, ces personnes qui sont en incapacité de manager un établissement public, on ne les mette pas, après avoir mis feu à sang un hôpital, qu'on les mette un ou deux ans après dans un autre établissement où ils vont faire
exactement la même chose sur ce qu'ils savent faire. Et ce qu'ils savent faire, c'est pas terrible. Donc c'est ça aussi, cette difficulté qu'on a à faire comprendre aux politiques qu'il y a des actions qui nécessitent immédiatement l'intervention du ministère, parce que quand vous avez un CHU, celui dont je parle, c'est l'un des 6 ou 7e en France, que toute une collectivité est en danger, que le doyen a rendu son tablier, qu'il y a au moins 5 collègues qui sont en burn-out, que les anesthésistes-réanimateurs sont partis en masse, que vous avez des conditions d'hébergement des patients de réanimation avec de l'eau qui coule et des paravents pour pas voir comment un patient décède juste à côté d'un autre patient. Enfin, quand vous voyez ces conditions-là des blancs, vous dites, mais c'est pas possible. Eh bien, il se passe rien et ça dure depuis un an. Et aux dernières nouvelles, ça va encore durer un petit peu de temps parce que il faut surtout pas maltraiter ce directeur qui fait très très mal, qui est à mon avis plus proche du comportement psychiatrique qu'autre chose. Mais c'est lui qui a les manettes et qui fait ce qu'il veut. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'à un moment donné, le politique prenne ses responsabilités. Et donc, on a l'impression que dans le domaine de la santé, et notamment à l'hôpital public, de temps en temps, ça échappe à l'état de droit. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont des comportements tout à fait déviants, et bien on décide de ne pas sévir parce que, toujours avec cette idée, ah ben oui, mais les directeurs d'hôpitaux, on ne peut pas y toucher parce que c'est grâce à eux qu'on est censé faire des économies. On ne fait pas d'économies, on en perd de plus en plus. Les hôpitaux sont de plus en plus en déficit parce que cette politique-là, aucun des personnels de soins ne la comprend. Ça correspond un petit peu à votre sentiment. Comme on discute avec tous les soignants, ils ont la même réaction que vous. Ça m'amène à un troisième paradoxe, oui. Justement. Que certains cas que vous citez un peu psychiatriques, moi j'ai noté que quand même individuellement, ils ne sont pas foncièrement mauvais ces directeurs. Je pense que c'est le système qui les corrompt peut-être, mais en fait je crois qu'ils vivent aussi une situation très difficile. Et je vous donnerai un exemple qui est que certains ont peut-être déjà vu, quoi. Quand une infirmière fait des études pour devenir cadre, elle change complètement. On s'attendrait à quelqu'un qui soit à la fois, qui fasse le lien, qui soit très proche, mais finalement, elle est prise dans un système qui fait qu'on devient inhumain. Donc, vous avez parlé de tout ça. Donc, ça m'interroge, parce que foncièrement, ces personnes, sauf certains cas, ne sont pas inhumains. Quoi. Ils ne sont pas non plus... Je partage tout à fait votre point de vue. C'est le système qu'il faut dénoncer. Ce système-là, il aboutit... y compris pour les directeurs d'hôpitaux, parce que les directeurs d'hôpitaux, certains directeurs d'hôpitaux, prennent leur retraite anticipée parce qu'ils sont conscients qu'on leur demande des choses qui vont mettre en péril l'exercice des personnels de soins et éventuellement les patients, et préfèrent partir, se mettre plutôt que exposer les personnels. Donc il y a ce type de choses. Si je me suis peut-être mal fait comprendre, le but n'est pas d'opposer personnel de soins et les directeurs d'établissement. Les directeurs d'établissement, de fait, ils ont les pleins pouvoirs. Certains en abusent. Mais le système, qui est un système purement, je dirais, vertical, qui donne les pleins pouvoirs à un directeur d'hôpital, c'est pas comme ça qu'on fait marcher un hôpital moderne. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez dans les pays européens qui nous entourent, en Allemagne, en Hollande, il y a un directeur médical à côté du directeur administratif, et le directeur administratif est là pour donner les moyens au projet médical de se réaliser. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. Et là, on a une vision très, je dirais, très centralisée, très française, très, je dirais, presque ancien régime, hein, la vérité doit venir d'une seule personne. Alors dans un système et dans une organisation comme l'hôpital public, avec des domaines de compétences extrêmement pointus et un directeur qui n'a pas été formé à gérer les problématiques médicales, c'est tout simplement pas possible. Donc vous avez raison, c'est un système qu'on dénonce, mais il y a aussi dans ces excès des responsabilités individuelles à tous les niveaux. Il y a des médecins qui se comportent mal, il y a des aides-soignants qui se comportent mal, il y a des infirmiers qui se comportent mal, il y a des directeurs d'établissement qui se comportent également mal,
Et il faut le reconnaître. Et ça, pour le moment, on a du mal à le faire reconnaître parce qu'on a l'impression que, je dirais, les directeurs d'hôpitaux sont une sorte de... ils sont à part et ils sont intouchables. Je pense que ça, c'est pas normal. Nous sommes en France. Je vais monopoliser le questionnement, mais le dernier paradoxe, c'est que justement, vous avez parlé très justement de contre-pouvoir, c'est assez logique, mais paradoxalement, que ce soit les médicaux et même les paramédicaux, se syndiquent de moins en moins. Ce qui fait que c'est très étonnant, mais on assiste des fois à des mouvements abusifs, mais au quotidien, il y a des fois personne pour apporter un contre-pouvoir. Ça, je l'ai noté. Justement, c'est tout l'intérêt d'avoir des questions-réponses comme ça, parce que ça permet de... Le sujet est tellement vaste que, bien entendu, j'ai été obligé de faire court. Alors déjà, l'une des tragiques de l'hôpital, c'est qu'il y a un taux de syndicalisation très faible. Chez les médecins, n'en parlons pas, c'est quasiment nul. Et dans les autres catégories de personnel, également très faible. Et donc, il y a une difficulté à s'organiser à l'hôpital pour... à des degrés divers, mais s'organiser pour... avoir une sorte de vision collective de riposte à des directives qui sont pas bonnes. Et puis il y a aussi des jeux d'influence qui sont malsains. Par exemple, si un directeur d'établissement, s'il veut acheter sa paix sociale, il va promouvoir des responsables syndicaux à des postes de responsabilité qu'il n'aurait jamais eu. Et c'est comme ça qu'on achète le silence de personnel. Et ça, c'est légion. C'est légion. Sur la médecine du travail, c'est également pareil. Dans toutes les entreprises, ça, on va dire. Ouais, mais c'est très choquant l'hôpital. C'est très choquant l'hôpital. Et c'est pareil pour la médecine du travail, la santé au travail, parce que certains directeurs disent, ça sert à rien. Ou alors je mets la pression sur les médecins du travail en disant, attention, je vous embauche non pas en CDI, mais en CDD, mais en CDI. En CDD, en CDI, mais pas en CDD. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous me remontez trop de problématiques de risques psychosociaux, je vous vire, je ne renouvelle pas votre contrat. Donc, il y a des pratiques qui sont malsaines et qui échappent un peu à l'état de droit, parce que vous savez que tout ça est très, très réglementé. Hein. Ouais. Je vous remercie, mais je termine là-dessus. Je disais aussi l'incrédulité, c'est-à-dire que lorsque un soignant dit qu'il fait un burn-out, souvent on se dit, ben oui, il a un burn-out, il s'est suicidé, mais parce qu'il avait des problèmes personnels, etc. On n'arrive pas à concevoir, parce que peut-être on a peur de ça, qu'en fait, le stress au travail, ou la moindre reconnaissance au travail, peut être vraiment... Et donc ça m'amène au dernier point, mais après j'arrête bien sûr, mais bon, je suis passionné par ça, parce que je voudrais que mon expérience aussi serve un petit peu, c'est la prévention. On parlait de médecine du travail, mais je pense que sur le burn-out, bon, c'est très compliqué parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, bien sûr. Mais sur la prévention de l'excès de stress au travail, vous êtes, je crois, en radiologie, il y a des dosimètres pour doser l'exposition aux radiations. Et je trouve qu'on devrait peut-être en e-santé favoriser la prévention du stress au travail. Alors, juste un petit mot sur... Juste un inventaire, peut-être d'autres questions, juste pour les recruter. Très bien, très bien. Et peut-être qu'il y en a d'autres des deux parts. Jean-Robert, et puis on garde cette idée-là de prévention, évidemment. Oui, moi, je ne suis pas du tout du spécialiste du domaine médical, donc moi, j'interviens sur un plan plus général. Donc, vous avez dit, et ça, effectivement, je pense qu'on peut le comprendre, vous avez expliqué que, effectivement, la logique comptable engendre un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'hôpital. Vous avez prononcé effectivement un mot tout à l'heure, et c'est le seul mot que vous l'avez dit, manager. Je pense qu'effectivement, il y a un autre problème, au-delà de cette logique économique, c'est effectivement l'organisation managériale d'un hôpital qui concerne à la fois le directeur et son équipe, mais également le corps médical. Et je pense qu'effectivement, vous ne mettez pas suffisamment la responsabilité aussi sur le corps médical, les chefs de service, qui effectivement ont un rôle dans la promotion, dans le management, dans l'organisation, effectivement, et qui peuvent engendrer ces problèmes. Et ce que vous décrivez, que vous pointez du doigt comme étant spécifique à l'hôpital, en fait, ce n'est pas spécifique à l'hôpital. On retrouve ça dans d'autres administrations, et on retrouve ça aussi dans des entreprises.
regarder le procès qu'il y a effectivement actuellement à France Télécom. Donc voilà, on est bien au cœur effectivement de la façon dont on gère effectivement les équipes en termes de management. Et dans les études médicales, il n'y a probablement pas un poil de management. Et donc effectivement, il faut bien donner du sens, il faut bien arriver à mobiliser les équipes pour que on puisse faire tourner un ensemble aussi important qu'un hôpital. Mais merci pour cette question. Peut-être une autre intervention, comme ça on essaiera de répondre en une seule fois. Merci. Pour poursuivre sur l'hôpital à nouveau, je n'ai pas entendu dans votre intervention la mention des ARS, des agences régionales de santé, qui pour moi je suis un ancien hospitalier aussi, je suis en retraite depuis un an et demi, j'étais attaché d'administration, donc j'étais directement en lice avec un ou deux directeurs pour la mise en place de certaines dispositions législatives, réglementaires, etc. Mais le poids des agences régionales de santé me semble exorbitant et découle directement de la mise en place de la loi HPST. Il faut savoir que techniquement, donc les ARS ont été mises en place dans le cadre de la mise en application de la loi. Vous pouvez préciser pour tout le monde ce que c'est qu'une ARS pour qu'on... Alors l'agence régionale de santé, c'est la structure qui au niveau régional définit et est chargée de mettre en place la politique de santé définie au niveau national. En fait, avant les ARS, on avait localement, on avait les DAS, régionalement, on avait les DRAS, que c'est des sigles qui peut-être parlent plus aux gens. Tout ça, ça a été revu, et il n'existe plus de DAS, il n'existe plus de structure dans un département. Tout a été regroupé au niveau régional. On a maintenant donc des agences régionales de santé qui se trouve à la tête desquelles on a même qualifié le directeur général de chaque ARS de préfet sanitaire. Et avec le système qui a fait qu'il n'y a plus que 13 régions en France, on a vraiment des super préfets sanitaires, maintenant, vous comprenez. Et donc ce sont des structures qui ont un pouvoir très important et qui... un pouvoir de contrôle sur le fonctionnement de tous les hôpitaux de leur territoire. Donc, je pense qu'il faudrait insister aussi sur ce problème, parce que dans le texte de loi, c'est un souci, et concrètement, c'est quelque chose qu'on voit se manifester pour la mise en place des différents textes. Et ces ARS... contrôle étroitement donc les pouvoirs des directeurs en place qui ont à rendre des comptes fréquemment à ces structures et peuvent donc décider aussi de mesures de rétorsion budgétaire et imposer ce qui se passe actuellement. Je prends l'exemple de l'hôpital de Quimper. Je vais encore citer un acronyme, mais je vais expliquer. Un CRE, contrat de retour à l'équilibre, c'est-à-dire un contrat qui nécessite des mesures de rétorsion financière puisque c'est un contrat purement financier, contrat de retour à l'équilibre financier. Donc c'est pas le premier, moi j'en ai vu quelques-uns pendant mon activité. Là je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête pour l'hôpital ici à Quimper, mais en fait ces ARS ont un pouvoir très fort et je pense qu'il convient de le souligner. Merci. Très bien, je vais peut-être justement commencer à répondre à ce dernier point. Bon, alors les agences régionales de santé, j'en ai pas parlé parce que vous avez raison, c'est elles qui... Prenez le vôtre, pardon. C'est elles qui organisent l'offre de soins à l'échelon d'une région. Mais en fait, c'est le même système, c'est-à-dire qu'il y a un directeur général d'ARS, mais qui a pu être directeur d'hôpital, et un directeur d'hôpital qui devient directeur ou directeur adjoint d'ARS. Donc ça ne change pas fondamentalement la donne, parce que nous, on voit bien, quand on fait des alertes au ministère, qu'est-ce que fait le ministère? Soit rien du tout, soit il envoie à l'ARS qui décide de rien faire, parce qu'elle couvre, en quelque sorte, l'établissement qu'on pointe du doigt en termes de dysfonctionnement, parce qu'on est dans cette même logique de contraintes financières et on ne va surtout pas
mettre en difficulté le directeur d'établissement, puisque c'est en fait la même communauté de la haute administration. Donc en réalité, pour nous, vu sous l'angle personnel de soins, non seulement ça ne change pas grand-chose, mais on voit bien que l'ARS peut même accentuer la pression sur un établissement et ne tient absolument pas compte de nos remarques en termes de conditions d'exercice professionnel. Donc ces ARS-là, elles font partie, je dirais, de l'institution qu'ils appellent hôpital public. Elle organise, et souvent elle organise très mal. Donc elle impose, et on voit bien maintenant qu'avec le groupement hospitalier de territoire, on est dans une logique où on est non seulement on impose dans un établissement donné, mais on va imposer également un groupement de territoire, c'est-à-dire plusieurs hôpitaux, dont l'un va être l'hôpital qui va organiser la cohérence médicale, ou qui est censé le faire. Et donc on accentue encore la pression sur le personnel, dans la mesure où ces restructurations, elles se font la plupart du temps, parce qu'on dit, oui, mais le corps médical et le personnel de soins sont réticents aux évolutions et aux regroupements. Non, mais simplement, il y a façon et façon de faire. Quand à un moment donné, un projet de regroupement est élaboré dans un bureau, que personne n'a été consulté, qu'on découvre à un moment donné les conséquences de ce regroupement, qui sont parfois catastrophiques et qui aboutissent à, non seulement pour les patients, mais également pour les personnels, à aller se balader en faisant 50 km tous les jours pour aller à tel et à tel, le matin à tel endroit et l'après-midi à tel autre. Tout ça, ça mérite qu'à un moment donné, réorganiser un hôpital, la première chose qu'on devrait faire, à l'échelon de l'ARS et à l'échelon de la direction d'un établissement, c'est consulter et les gens du terrain. Et c'est ça qui est épuisant, c'est que il y a deux réalités. La réalité administrative qui est macroscopique, qui voit ça de très haut, ils ne veulent pas voir sur le terrain parce qu'ils savent que, ils pressentent que les mesures qu'on leur demande de prendre peuvent mettre en danger un certain nombre de personnel et de patients. Donc ils le voient de très très haut, et c'est comme ça, ils appliquent des consignes. Et puis la seule réalité qui est vie, c'est la réalité de terrain des personnels en souffrance et des patients qui sont parfois en difficulté derrière. Ça, c'est mais vous avez raison d'insister sur l'ARS, parce que l'ARS, en fait, elle applique régionalement ce qui était décidé au niveau national, et qui est de Céral Kiki aux établissements. Mais bon, ça c'est un des points, bien entendu. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, mais ce n'est pas qu'un problème de financement. Il y a un problème de fonctionnement démocratique au sein de l'hôpital. On ne peut pas avoir une personne qui décide pour tout le monde et qui impose sans consulter. Je veux dire, ces multiplications d'audits qu'on observe dans... Il faudrait un jour dire, mais combien ça a coûté de dizaines ou de centaines de millions d'euros de faire appel à des audits qui enfoncent des portes ouvertes, alors qu'il suffisait de réunir dans une activité ou dans un service tel et tel personnel pour avoir le retour pour zéro centime. Alors, ensuite, sur le management. Alors, c'est vrai que, par rapport à la question que vous posiez, le management... le management, c'est quelque chose de très important. Normalement, un directeur d'hôpital doit savoir manager une équipe, mais pas au forceps. Et donc, c'est malheureusement, vous savez, ce qu'on apprend à l'école de Rennes, l'école des hautes études en santé, c'est l'aide du médecin. Le médecin, il est irresponsable, il est individualiste. Et donc, quand les jeunes émules qui sortent de l'école de Rennes sont en capacité de diriger un établissement, eh ben, ce qui se passe, c'est que ils sont préformatés. Et donc, ce management, vous avez raison, les médecins aussi ont besoin d'apprendre le management. Mais je dirais, à la limite, c'est pas le plus important, parce qu'il n'y a rien à manager quand on est médecin, y compris quand on est chef de service, on vous impose. Et quand il y a des défauts de management liés au fait que tel médecin se comporte mal à tel autre, c'est pas un problème de management. C'est un problème de perversion. C'est un problème de perversion. C'est différent, c'est pas la même chose. Parce que c'est aussi l'une des réponses du politique et de l'administration au malaise hospitalier actuel. Il faut apprendre aux médecins ménagers.
il y a, je pense que beaucoup d'entre nous, on a cette capacité, quand on dirige une équipe à manager, quand ça se passe mal, ben, on ne reste pas longtemps chef de service, et puis, mais il n'y a rien à manager en termes de capacité à faire évoluer un service. Tout dépend, si vous avez vous dirigez un service clinique, vous êtes vous avez des infirmiers. Les infirmiers, ce n'est pas vous qui les recrutez, parce que l'infirmière générale qui dépend de l'administration, qui a voulu les recruter, les secrétaires, c'est pareil. Donc, tout ce qui était collectivité médicale, c'est qui faisait une chaîne solide, eh bien, on l'a volontairement cassée pour que chaque personnel soit sous la dépendance d'un côté, du côté de l'administration. Et ça, ça a été volontaire. C'est pas, on savait pas ce qu'on a fait. C'était de casser l'outil métier pour imposer des restructurations. Enfin, ça, il faut savoir. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est important. Il y a sûrement plein de collègues en médecins qui sont des mauvais managers. Mais à la limite, les conséquences de leur mauvais management, elles sont minimes, puisque c'est pas eux qui décident. C'est pas à eux à qui on donne la capacité à agir de façon positive pour développer son service, son département ou son pôle. Alors ensuite, sur le burn-out, vous avez raison, le burn-out, alors attention, faites attention, il y a le burn-out qui est la conséquence d'un dysfonctionnement lié au fait que vous n'avez pas de moyens, donc il manque tant d'infirmières, donc les infirmiers restants vont faire le boulot de ceux qui ne sont pas là, et ça aboutit à des burn-out. Mais il y a des burn-out qui sont un des éléments du harcèlement moral, c'est-à-dire qu'on vous met sciemment dans des conditions qui vont vous amener au burn-out. On vous demande de réaliser des objectifs qui sont inatteignables, ça c'est typique. Et donc, il faut bien séparer dans le burn-out ce qui est condition de travail et ce qui est, d'autre part, la volonté de vous mettre en difficulté, de vous mettre au placard et de vous harceler. Et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, vous disiez que c'est paradoxal. Non, c'est pas paradoxal, parce que quand vous êtes personnel de soins, vous avez la responsabilité de patient. Ben, si vous faites, vous avez votre éthique, ben vous dites je le fais, et forcément à un moment donné, vous dites c'est pas au patient de traquer, et tant pis, je prends sur moi. Mais il arrive à un moment donné où c'est plus possible, vous craquez, vous êtes en burn-out tout simplement parce que, et c'est pas paradoxal, c'est justement parce que vous avez votre éthique professionnelle que vous dites je coûte que coûte, je vais tenir, et il y a un moment où vous craquez. Et ça c'est la réalité de terrain, conséquence de l'organisation défectueuse de l'hôpital qui amène à ce pseudo-paradoxe qui est de dire mais ils tiennent le coup, et puis de l'autre côté ça aboutit à... Oui, c'est pas un paradoxe, c'est justement parce que le système actuellement ne tient qu'à un fil. Il tient qu'un fil parce qu'il manque de plus en plus de monde. Heureusement que les médecins étrangers sont là, y compris dans les centres hospitaliers universitaires et à la PHP, parce que beaucoup sont bien formés et heureusement sont en capacité de combler quelques déficits. Mais vous allez dans un centre hospitalier dans telle ou telle région de France, et encore une fois, je respecte et je suis très admiratif de ses collègues étrangers qui se dévouent, mais parfois vous allez dans un établissement, il n'y a que des médecins consonance étrangère. Alors, je dis, et tant mieux, parce que s'ils n'étaient pas là, l'hôpital aurait fermé. Donc, vous voyez, donc, et ce système-là, alors, bon, il faut bien entendu réévaluer les salaires à l'hôpital public, toute profession confondue, on n'en prend pas le chemin, je pense que s'il faut envisager des modulations par rapport à la grille salariale, parce que quand vous êtes infirmier, je ne sais pas, Clermont-Ferrand et infirmier à Paris, ben, vous touchez le même salaire à grade égal, mais c'est comme si vous aviez un niveau de vie divisé par 2 ou par 3 à Paris. Donc d'où les fuites qu'on observe également dans les grands centres urbains, centres hospitaliers universitaires à Toulouse, à Bordeaux, etc., c'est qu'on a de plus en plus de mal à garder le personnel parce que, bien à un moment donné, il y a une situation de concurrence. Et quand
vous travaillez dans des conditions qui deviennent lamentables à l'hôpital public, que vous prenez des gardes en permanence pour combler l'absence de vos collègues autres personnels de soins, que vous savez qu'à côté, vous allez à la clinique, vous n'avez pas de garde, que vous allez toucher 30 ou 40% de plus, ben, vous n'avez plus rien, vous retient à l'hôpital. Donc on est dans ces problématiques d'appauvrissement, de paupérisation de l'hôpital public qui découle de tous les phénomènes que je viens de vous décrire et que vous avez développés également de l'autre côté. Hein. C'est... Cool. Je ne m'y connais pas du tout, mais j'ai l'impression que l'hôpital public, bon, ben, c'est une énorme machine très dure à maîtriser. Est-ce que on est probablement victime de la centralisation? Est-ce que une solution ne serait pas, par exemple, régionaliser les hôpitaux? Première question. Et autrement, là aussi, ben, est-ce que le public, non, le privé, par contre, se retrouve, s'organise mieux ou voilà, enfin, comparaison public-privé. Est-ce que le public ne n'est pas en train de perdre du terrain par rapport au privé? Oui, sûrement, vous avez raison, le public perd du terrain. Vous savez, quand ces personnels s'en vont, où ils vont? Ils vont dans le privé, mais ils vont aussi dans les établissements, ce qu'on appelle les ESPIC, les établissements de santé privés et d'intérêt collectif, donc à but non lucratif. Et donc, il y a de plus en plus de structures à but non lucratif qui récupèrent, y compris des universitaires, et leur proposent des conditions de travail et des moyens de recherche qu'ils n'ont plus à l'hôpital public. Donc c'est eux qui récupèrent en ce moment la mise dans toutes les régions de France. Ensuite, la régionalisation. Alors je ne sais pas ce que vous appelez régionalisation, parce qu'on est déjà dans une vision très, très organisée. On parlait tout à l'heure d'ARS, de l'hôpital. Je pense que ce qui marche à l'étranger, ben, il faut s'appuyer sur ce qui marche à l'étranger. Et maintenant, on est très clairement... Les structures qui marchent, c'est les structures qui ne dépassent pas 1000 lits au maximum. Parce que là, on est à échelle humaine. On a une collectivité de soins qui s'approprie son outil de travail. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'avec les regroupements qu'on observe, les groupements de territoire, on ne soit pas en train de construire des monstres qui vont encore accentuer la souffrance des personnes de soins, parce qu'à un moment donné, quand vous allez diriger ces groupements qui comportent 2000, 3000, 4000 lits, à un moment donné, vous êtes tellement loin du terrain que vous n'avez plus la capacité de les gérer de façon fine. Vous savez, quand dans une armée, vous avez une confrontation entre deux armées, celle qui gagne, c'est celle qui procède en permanence à des ajustements par rapport aux ordres qui viennent d'en haut, et celle qui va perdre, c'est celle qui dit « moi, on me dit de faire ceci, j'applique ». Et c'est ça, ça peut se résumer de cette façon, le malheur de l'hôpital actuellement, c'est qu'on a un dirigisme extrême et qu'on a en permanence besoin de procéder des aides justement sur le terrain, et on ne veut surtout pas que vous fassiez ces ajustements, on veut que vous agissiez comme des automates en fonction des règles qui ont été prescrites. À titre indicatif, on est à combien de lits sur Quimper? Juste comme ça, pour avoir l'idée. L'hôpital de Cornas est sur deux sites, Quimper et Concarneau. Et Concarneau, oui. Au total, 1500... D'accord. Oui, c'est encore... Non, c'est juste pour avoir une idée, parce que je n'avais pas de référent là-dessus. Donc, vous savez, par exemple, nous, dans notre structuration à Georges Pompidou, c'était trois groupes hospitaliers différents. Il y avait Cochin, il y avait Necker et Pompidou, donc, mais avec... ces trois groupes hospitaliers sont rattachés à la même SAC, Paris Descartes. Mais là, maintenant, on fait ce qu'on appelle des APHP.5. Donc, on va regrouper ces trois GH, que vous mettez Pompidou, Necker et Cochin. Vous allez avoir 3000 lits, quoi. Donc, à un moment donné, donc, vous allez avoir en plus une administration encore plus proliférante,
en même temps qu'on diminue le nombre de personnels de soins, on augmente les personnels administratifs pour contrôler les personnels de soins, si vous voulez. Donc on est dans cette logique bureaucratique épouvantable. Alors je suis d'accord, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure, vous qui me parliez de management. Vous parliez, je n'ai pas dit que c'était particulier à l'hôpital public. Bien entendu, ces phénomènes, on les observe dans la justice, dans l'éducation nationale, dans la police, bien entendu. Ce qui est choquant, et je le redis, même si on sait que l'hôpital est actuellement si violent, moi je ne peux pas m'habituer à un hôpital où le seul moyen d'action, c'est la trique. Quoi. Je veux dire, ça, c'est pas possible. Je suis comme vous deux, très bientôt à la retraite. Hein. Dans 2 mois, je suis à la retraite. Le 31 août, j'arrête mon activité, atteint par l'âge. Mais donc, j'ai l'expérience et le recul. Je vois comment on travaillait il y a 30 ans, et comment on travaillait il y a 10 ans, comment on travaille maintenant. Donc, tout découle de cette détérioration progressive de l'exercice dans le monde hospitalier public. Et il y a un élément qui témoigne bien de cette profondeur du malaise. Il y a, bien entendu, dans le village où je travaille, Georges Pudou, ça fait depuis l'ouverture 20 ans que j'y suis, on a tissé des amitiés. J'ai des collègues qui sont un peu plus jeunes que moi, qui partent à la retraite dans 5 ans, dans 10 ans, et qui me disent « Mais Philippe, quelle chance tu as de partir à la retraite ». Je veux dire, c'est pas normal que ce mode de réflexion il soit aussi diffus au sein du monde médical qui vit à l'hôpital public que de dire « Ah, j'en ai marre, j'ai donc une chose, c'est de pouvoir partir ». Et bien entendu, beaucoup d'entre eux partent avant leur âge légal de retraite et partent, par exemple, dans mon hôpital. Rien que dans le service de chirurgie digestive, il y a 2 PU, 2 professeurs universitaires qui s'en vont, un 3e part à la retraite dans 1 an, et il n'y a pas de jeunes derrière. Mais ça, c'est quand même très révélateur de ce malaise ambiant. Et moi, je pense que l'hôpital public perd son âme quand il n'y a pas de bienveillance, d'écoute. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la force de l'hôpital, c'est les hommes et les femmes. Et ça, on ne veut plus le reconnaître, on ne veut plus l'admettre. Et le mode de fonctionnement que nous impose à l'hôpital, c'est comme ça, on a décidé pour vous, vous agissez, vous jouez le jeu, il ne vous arrivera rien, même si vous travaillez dans des conditions lamentables, à la limite, on s'en fout. Et si vous protestez, vous n'avez qu'à prendre vos clics et vos claques, partir. Éventuellement, si vous n'avez pas compris, on va vous harceler. Donc, et ça, du coup, d'où ce laxisme et beaucoup de comportements pervers qui s'expriment. Ils s'expriment pourquoi ? Non pas qu'il y a plus de gens méchants, c'est pas ça. C'est tout simplement que ces personnalités perverses, elles savent que dans un monde bienveillant, on leur tapera dessus. Et actuellement, ce monde hospitalier public n'est pas bienveillant. Ils disent, j'y vais parce que de toute façon, il ne peut rien m'arriver. Et puis comme je suis du bon côté de la barrière, je peux faire ce que je veux. Et donc je raffine ma perversion. Ça va dans le sens de ce que je vous dis, c'est que je pense qu'à un moment donné, ça a le coût de 0 centime, d'avoir une tolérance 0 vis-à-vis des comportements harceleurs et maltraitants, d'autant plus qu'ils ont été condamnés définitivement par la justice. C'est pas ce qu'on observe. Vous avez parlé aussi au début du manque incroyable. Vous avez parlé aussi du manque incroyable de praticiens hospitaliers. Il faudrait peut-être aussi, à ce moment-là, vraiment remettre en cause la sélection des étudiants. Au départ, est-ce que vous pensez que la nouvelle formation ou la nouvelle façon de sélectionner va peut-être résoudre en partie ce problème-là ? Parce que si on a de plus en plus de médecins étrangers, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de médecins en France et que justement, il faudrait peut-être repenser aussi... Alors vous posez, je vous remercie de poser cette question, ça me permet d'insister sur cet aspect des médecins étrangers, parce que c'est très pervers ce qui se passe dans le système français. Il y a beaucoup de postes qui sont vacants parce que les conditions de travail dans ces services-là, dans ces hôpitaux, sont déplorables, et donc personne n'a envie d'y aller. Et
les étrangers les occupent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez que quand vous êtes médecin étranger, vous avez un diplôme étranger. On vous permet de travailler à l'hôpital, mais pour vous garder à l'hôpital et vous utiliser comme esclave, on vous empêche de travailler en ville. Vous voyez ? Quand vous êtes médecin étranger, vous avez un diplôme étranger, vous avez l'autorisation de travailler à l'hôpital, mais justement pour les garder et les garder sous emprise, on ne leur permet pas d'exercer en ville. Et vous voyez que c'est... donc, on voit bien que derrière, au niveau des politiques, il n'y a pas la volonté forcément de résoudre cette difficulté. Ce n'est pas un problème de sélection. Les étudiants en médecine sont bien sélectionnés, ce sont souvent des gens brillants, ils ont une autre vision de la vie que nous, ils ont été prêts à, pendant 5 ans, 10 ans, en baver, eux ils veulent réaliser un peu plus vite, ça c'est normal, c'est l'évolution de la société, il faut l'accepter. Il n'y a pas c'est autre chose, mais c'est pas le fait qu'il faut sélectionner des étudiants différemment. Non, c'est que dans le système, tant que ce système est ce qu'il est, ce système que je décris, alors il y a des endroits, heureusement, où ça se passe mieux, mais il y a trop de dysfonctionnements pour que quelqu'un qui ait terminé ses études se dise « je pose la question de travailler à l'hôpital », il a travaillé à l'hôpital pour compléter sa formation, il voit de l'intérieur ce qui se passe, et ça ne lui donne pas envie, tout simplement. Alors, les collègues étrangers, pour les garder sous pression à l'hôpital public, ils exercent à l'hôpital public et on leur interdit d'exercer leur métier en ville. Ils peuvent pas... Alors, il y a des passerelles, mais qui sont extrêmement limitées. Il faut passer un concours, en gros, vous êtes 200, on va en sélectionner 4 qui permettront d'aller en ville. Mais sans ça, c'est ça qui est quand même très choquant, c'est que ces médecins étrangers, ils sont suffisamment bons pour les faire travailler à l'hôpital, mais ils ne sont pas suffisamment bons pour les faire travailler en ville. Expliquez-moi pourquoi. Excusez-moi, je parlais plutôt moi aussi, enfin également du nombre de... Le nombre de médecins. Oui, alors, on a... Est-ce qu'on a assez de médecins à l'entrée, quelque part ? C'est ça la question. Oui. Alors, on a ouvert les portes, à mon avis, trop tardivement, parce que quand vous ouvrez les portes, il faut 10 ans pour faire un médecin. Donc, on a ouvert les portes trop tardivement. Là, on est au creux de la vague, dont je suis un des représentants. La vague qui est en train de passer du côté de la retraite. Mais le problème, il n'est pas là. Ces personnes qui sont en formation, qui ont fini leur formation, avant, elles voulaient travailler à l'hôpital. Maintenant, elles ne veulent plus travailler à l'hôpital. C'est ça qui a changé fondamentalement. Ce n'est pas le fait que il manque des médecins partout et à l'hôpital public comme ailleurs. C'est que ces médecins qui avaient la vocation de travailler à l'hôpital public et qui observent de l'intérieur ce qui se passe à l'hôpital public n'ont plus envie. Et ça, il faut leur redonner envie. Il faut leur redonner envie. Et donc, il faut changer en profondeur, réformer en profondeur la gouvernance de l'hôpital public. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, les politiques commencent à le comprendre, mais comme en France, toujours tout est compliqué. Il y a des groupes de pression, il y a des lobbies, et donc ça va mettre un peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence de votre point de vue entre une clinique privée et un hôpital public ? Dans la mesure où les deux sont financés par la sécurité sociale, en grande partie. Alors, il y a... tout veut dire, c'est pas notre terrain de prédiction, puisque nous, on s'intéresse à l'hôpital public. Enfin, on communique avec des collègues qui travaillent en ville ou en clinique. La problématique est à peu près la même. Il y a de la maltraitance et du harcèlement. On l'observe. La différence fondamentale, c'est que quand vous travaillez dans une structure publique, vous avez un contrat qui va durer 4 ans, 5 ans, et puis ensuite, on peut décider de ne pas le renouveler. Donc ça, à l'hôpital public, et ce qui fait toute la difficulté de travailler à l'hôpital public, c'est que vous êtes censé être là une fois que vous êtes infirmier, vous pouvez rester tant que vous voulez. Et donc, si on veut se débarrasser de vous, le seul moyen de se débarrasser de vous, c'est de vous rendre la vie impossible. Ce qui peut arriver en privé, mais beaucoup moins, à mon sens, quand on discute avec les collègues qui travaillent en ville, tout simplement parce que, à un moment donné, votre contrat ne renouvelle pas, et puis on se quitte bons amis. À l'hôpital public, on ne peut pas se quitter bons amis, ça peut mal se terminer, parce qu'on se dit, ce personnel-là, cette personne, je veux m'en débarrasser, et je peux pas, elle a un contrat qui lui permet de travailler normalement, et donc je vais lui rendre la vie impossible. C'est ça qui rend odieux
c'est l'exercice du harcèlement moral et de la maltraitance à l'hôpital, c'est la différence essentielle. En fait, quand je vous posais la question, il y avait l'autre dimension, simplement par rapport au public, en fait. Quelle différence il y avait entre l'hôpital et le public, et puis, à part les urgences Il y avait une différence fondamentale, c'était que on exerçait notre métier de façon déconnectée du rapport financier. Donc maintenant, c'est plus le cas. À l'hôpital public, on vous pointe un pisseur en disant « faut faire des actes ». C'est terrible de dire que quand vous êtes, médecin interniste, très pointu, très spécialisé, eh bien, la prime actuellement, on va féliciter le médecin qui passe 10 minutes pour voir pour la première fois un patient et qui n'en fera pas le tour, par rapport au médecin qui fait son travail et qui va mettre 30 ou 40 minutes pour voir son patient pour la première fois. Donc on va aider et féliciter la personne qui travaille mal. C'est ça. Parce que derrière, on dit « Écoutez, vous n'êtes pas bon. Regardez votre collègue. Il voit deux fois plus de patients pendant la consultation du matin. » Oui, mais ce plan-là, il est financé par la sécurité sociale. Oui, il est financé par la sécurité sociale. Mais ce qui est financé par la sécurité sociale également, c'est la qualité de la prise en charge. Donc à un moment donné, la prime est à celui qui fait de la productivité. La productivité en médecine, je suis désolé, nous, on ne traite pas des chiffres, on traite des patients, pas pareil. Et donc, quand on nous dit la priorité, c'est la consommation et c'est les chiffres, moi je dis non, je dis non. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire. On nous demande de faire. Il y a dans un certain nombre d'hôpitaux des chirurgiens qui jouent le jeu, qui disent voilà, vous voulez du chiffre, je vais en faire. Il y a des patients que je sais ne pas avoir besoin de bien, mais je vais quand même les opérer. Parce que si je veux avoir des moyens pour mon service, il faut que je les opère. Vous voyez, les travers auxquels on peut aboutir sous prétexte que c'est imposé par le haut. Je voulais juste illustrer votre propos au sujet de justement la tarification à l'acte. Dans une assemblée, j'étais à l'hôpital de Quimper avant aussi, dans une assemblée plénière avec l'administration, directeur, et puis les chirurgiens, les médecins, il y a le directeur qui a interpellé un chirurgien en lui disant « Monsieur Margin, comment se fait que vous avez fait beaucoup moins d'actes chirurgicaux ce mois-ci par rapport à l'autre mois ?» Et il ne s'est pas démonté, il a répondu que bien sûr s'il avait été en clinique, il aurait fait autant de chiffres, mais qu'il estimait qu'il y avait beaucoup de ses patients qui méritaient un traitement médical, point, et non chirurgical. Alors, pour continuer sur ce versant-là, un de mes collègues chirurgien ORL à Pompidou a eu une réunion difficile avec l'administration parce qu'on lui dit... vous ne faites pas assez de patients, il dit oui, mais vous m'avez diminué le temps d'accès au bloc. Donc, effectivement, c'est pas possible. Donc, il dit, mais vous ne pouvez pas opérer plus vite. Ouais. Une directrice financière dit ça en réunion plénière, si vous voulez. Donc, c'est stupide, c'est débile. Mais c'est vous dire le niveau parfois que ça peut atteindre. Mais je voudrais encore dire une chose. L'appauvrissement de l'hôpital public et vers le privé, donc vers les cliniques, il y aura, je pense, comme on dit, une médecine à deux vitesses. Parce que celui qui ne sera pas très riche, il continuera à aller à l'hôpital avec peut-être des prestations bien moins excellentes qu'en clinique. Et donc la population plus aisée ira en clinique avec des comme vous disiez, des praticiens, enfin des médecins qui étaient excellents et qui ont quitté l'hôpital. Ouais. Et moi, dans ma carrière, j'en ai vu plein comme ça. C'est le risque parce que nous, on dit, si l'hôpital continue comme ça, à terme, je ne sais pas, c'est quoi ce terme, c'est 5 ans, c'est 10 ans, on va faire comme pour la dépendance des personnes âgées. On va leur dire, écoutez, l'hôpital, l'outil n'est plus réformable de l'intérieur, et donc que
le privé récupère les pathologies qui les intéressent, en médecine, en chirurgie, en obstétrique, etc. Et puis, on peut aboutir à... ce dont ne voudront pas les privés, effectivement, c'est les patients âgés avec des polypathologies, parce que c'est complexe, ça ne rapporte pas beaucoup, etc., etc. Mais on est déjà un peu dans cette médecine à deux vitesses. Donc, on risque d'accentuer ce travers dans les années à venir. C'est pour ça que l'action correctrice, c'est maintenant qu'il faut l'entamer, et pas dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce que vous avez été invité à l'école de santé, l'école de Rennes ? Oui, et j'irai avec un gilet pare-balles. Non, vraiment ? Maintenant, plus sérieusement, j'étais hier sans gilet pare-balles à la porte de Versailles parce qu'il y avait le salon de la Fédération hospitalière de France, donc c'est le salon des responsables d'hôpitaux. Où il y avait une tribune où j'intervenais avec le médiateur, bon, bien entendu, ça s'est très bien passé. Nous, et d'ailleurs, un certain nombre de directeurs d'hôpitaux disent il faut changer cette logique. Non, mais bien entendu. Mais le problème, c'est qu'on formate les esprits. Quand du début jusqu'à la fin de vos études, on vous dit, les médecins, vous allez, quand vous serez directeur d'hôpitaux, il faut les cadenasser, etc., etc. À un moment donné, ça fait des dégâts. Donc, quelque part, quand on commence avec son premier poste, eh ben, on a été préformaté. Et ça, c'est une culture très franco-française, je dirais, qui émane de la haute administration et cette vision très anti-médecin qui est historiquement daté, mais qui continue à proliférer, y compris à l'école de Rennes. Alors maintenant, dans la réforme qui est prévue de l'école de Rennes, il y a de plus en plus d'intervenants médecins, qui sont conscients quand même qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir cette vision purement frontale de l'opposition entre médecins et personnel administratif. Donc ça évolue, mais bon, c'était une boutade, mais pas tout à fait une boutade, quand même, parce que l'association était beaucoup décriée comme étant une association anti-directeur. Bon, c'est pas du tout notre but, bien entendu. Ce qu'on veut, c'est rétablir le dialogue qui est vraiment, pour le moment, il n'y a plus de dialogue entre l'administration et les personnels de soins. On veut rétablir ce dialogue, mais en respectant les personnels de soins. On ne demande pas plus que ça. Est-ce qu'il y a des associations de patients importantes qui vous soutiennent ? Oui, je ne sais pas si ça existe, qui soient des associations de patients, je veux dire, transversales, parce qu'on les connaît maladie par maladie, etc. Mais est-ce qu'il y a des... Alors, c'est ce collectif d'usagers, je ne sais pas comment les appelle. C'est ce qu'a fait le médiateur national, Édouard Couty. Il a travaillé pendant 2 ans pour regrouper toutes les associations de patients. Donc, maintenant, il y a une association nationale de patients. Et donc, il continue d'y avoir des associations, par exemple, de transplanté cardiaque, des associations dans les différents domaines de pathologie. Et donc, par exemple, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure du problème du défaut de suivi des patients transplantés cardiaques en Occident, les associations de patients se sont tournées vers nous, ont écrit au ministère, on a relayé leur témoignage, et donc ils agissent de concert avec nous, oui, bien sûr, parce qu'ils se sont adressés à l'association, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'à un moment donné, le problème est un problème qui devait être traité politiquement, qu'il fallait qu'il y ait une prise en compte de leur demande. Donc ça existe. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on demande, je répète encore une fois, par exemple, sur le conseil de surveillance, c'est d'introduire, et ça fait partie du discours qu'a fait Emmanuel Macron le 13 septembre 2018, de dire qu'il faut que le patient soit au cœur du système. Et actuellement, on ne fait que le dire, mais en pratique, il ne se passe rien. Et si on met les associations de patients régionalement dans chaque établissement au niveau du conseil de surveillance, avec le maire de l'établissement et avec les responsables médicaux et administratifs, je suis sûr qu'un certain nombre d'informations qui remonteront directement au conseil de surveillance, qui actuellement ne remontent pas. Voilà, de façon très indirecte. C'est curieux parce que je ne connais pas très très bien le fonctionnement et encore moins le management des hôpitaux. Et dans beaucoup d'hôpitaux, on dit souvent que c'est l'élu local, souvent le maire d'ailleurs des grandes municipalités, il a quoi comme statut par rapport à l'hôpital ? Il est quoi ? Il est président d'un comité quelconque ? Il est quoi ? Parce que par rapport aux questions que vous posez, il devrait quand même assez être sensibilisé, je veux dire, au discours que vous pouvez tenir. Ben oui, bien sûr. Alors,
le maire est le président du conseil de surveillance. En général, des conseil de surveillance. Donc il est le président du conseil de surveillance. C'est pareil. Donc c'est pareil, bien sûr. Et dans le CHU dont je parlais tout à l'heure, eh ben, qui est un grand CHU d'une grande ville de France, eh ben, le maire de cette ville, qui est très connu, qui a des responsabilités ministérielles, etc., il a dit, j'arrive pas à faire dégager ce directeur d'établissement. Il n'y arrive pas. Et alors, parfois, il y a cette séparation, on n'arrive pas à obtenir le départ d'un directeur qui a dépassé la ligne rouge. Parfois, il y a des connivences. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de... Il faut dire, hein, il faut appeler un chat au chat, il y a un certain nombre de maires dans certaines villes de France qui sont également responsables locales ou régionales de la Fédération hospitalière de France. Donc ils sont là et ils protègent parfois aussi un peu leur directeur. Donc, même s'ils savent, et j'ai en tête une ville qui est une ville des Hauts-de-France importante, où on n'arrive pas là aussi à obtenir l'appui du maire qui a cette double casquette, et cette deuxième casquette l'empêche de réagir sainement face à des difficultés que traverse son département. Dans la plupart des villes, enfin moi j'ai en tête simplement Rennes, je n'ai pas idée pour Quimper, mais Rennes-Nantes, le premier employeur de la ville, c'est quand même, enfin de la communauté, c'est l'hôpital. On a 3, 4, 5 000, 6 000. Je prends des exemples pour Rennes et Nantes, Quimper, je ne sais pas combien de salariés, 3 000, vous voyez. Donc, oui, mais c'est... Donc c'est-à-dire que si on pose le problème publiquement, je dirais, comme on essaye de le faire là, mais avec d'autres moyens, on devrait... Vous aussi poser la question se pose dans les termes que vous employez, que lorsqu'il y a une menace sur la survie d'établissement. D'accord. Donc là, le maire... En termes financiers, vous dites, là, presque. Oui, ou même de disparition. Oui, ça, mais voilà. En termes physiques, oui, d'accord. Et quand il s'agit d'un dysfonctionnement et que, voilà, on dit, on apaise, etc., etc., et on ne veut pas voir le problème. Donc ça peut arriver aussi, on a de temps en temps des collusions dans un système où il y a, je dirais, une protection d'un directeur, même si il commet des fautes lourdes. Donc on peut arriver à des... enfin, c'est complexe. Hein. C'est bien qu'au travers de ces questions, on ait pu exprimer un certain nombre de remarques qui tiennent à la complexité du système. D'où la difficulté de le réformer, dans ce qu'il a d'excès actuellement, et ces excès sont en train de tuer l'hôpital. Moi, je ne peux pas me satisfaire de partir à la retraite dans deux mois, si je compte au mois de vacances, le 31 août, je ne suis pas là, mais je vais continuer à agir au sein de l'association, probablement plus en tant que président dans quelques temps, parce que je pense qu'il faut être sur le terrain. Mais justement, je pense à toute la nouvelle génération. On continue de le former. On forme très bien les médecins en France. Ils sont très talentueux. Et moi, je remercie cette sœur de les voir tous avoir un devenir en dehors de l'hôpital public, y compris pour des personnes qui pourraient avoir des ambitions universitaires. Donc ça, c'est pas satisfaisant, parce que l'hôpital public, c'est quelque chose... Et c'est justement parce qu'il y a un niveau de qualité qui est extrêmement élevé qu'il faut le chérir comme un de nos atouts dans le système de santé, que nous enviaient, et j'utilise le passé, que nous enviaient beaucoup de pays, et qu'ils nous envient de moins en moins, vu les difficultés qu'ils savent que l'on rencontre. Il y avait une autre question, une dernière, peut-être, ou les dernières. Alors, attendez, je vais passer tranquillement par là. Vous écoutez, ce ne serait pas une question que j'aurais à poser, mais deux suggestions qui méritent d'être prises en considération, et vous les avez exprimées, mais qui, dans l'ordre des choses, la première, c'est modifier le rôle du directeur. La seconde, c'est modifier le contenu de la formation du directeur. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais c'est effectivement, quand je dis modifier le... Quand vous dites modifier...
modifier le rôle du directeur, c'est-à-dire qu'il a indiscutablement, le directeur des établissements, une responsabilité importante sur le plan de l'organisation de l'hôpital, sur les financements, etc. Mais il ne faut pas oublier que quand il y a un directeur d'établissement, il est là pour permettre la réalisation d'un projet médical. Et donc il est là pour aider la collectivité médicale et soignante à réaliser ce projet. Alors ce n'est pas du tout ce qu'on observe actuellement. Les collectivités médicales, les CME sont dessaisies de l'organisation et des projets médicaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hôpitaux sont en crise, parce que quand on a comme seul outil d'analyse de ce qui se passe dans son hôpital qu'Excel, que le logiciel Excel, eh ben, on ne fait pas les anticipations qu'on devrait faire par rapport à l'évolution des problématiques médicales. Et donc on tape toujours à côté parce qu'on est on n'a qu'une vision court-termiste. Vous voyez ? Donc ça, c'est vrai. Et donc il faut mettre à côté du directeur général de l'établissement, directeur médical, qui a la responsabilité effective de coordonner le projet médical, de l'organiser avec l'aide, bien entendu, du directeur d'établissement. Et puis il y a la formation, comme toujours. On en revient à la formation. Tout à l'heure, on parlait de management. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans la formation des directeurs d'hôpitaux. Alors, ils ne passent pas tous par l'école des hautes études en santé de Rennes, mais beaucoup y passent. C'est parce qu'il peut y avoir des voies de passage. Ça peut être des personnes qui ont effectué un cursus après des études à Sciences Po, etc. Mais c'est le gros du bataillon des directeurs d'hôpitaux sort de l'école de Rennes. Oui, en fait, je me disais que le sens, il était perdu, le sens du soin, le sens du bien-être, de la santé. Ça, c'est pas quantifiable en termes de monnaie et d'argent. Et il est beaucoup plus question de réduire un déficit public que d'être dans le sens du travail en ce moment. Et je crois que les injonctions paradoxales que reçoivent les hôpitaux, les directeurs, les médecins, sont de cet ordre-là. Réduire un déficit et non pas être dans le sens du soin. Enfin, c'est cette tendance qu'il faut inverser. Les psychosociologues du travail ont l'habitude, ils se sont intéressés beaucoup à ce qui se passe à l'hôpital public. Hein, des gens comme Christophe Dijoux et d'autres ont décrit parfaitement le phénomène beaucoup mieux que moi. Ils disent ce qu'on observe à l'hôpital public actuellement, c'est une pathologie de l'empêchement. C'est-à-dire que toutes les personnes savent ce qu'ils devraient faire pour bien prendre en charge les patients et on les empêche de le faire. D'où, effectivement, cette souffrance éthique. Et c'est exactement, ben, on dit, laissez-nous faire notre métier comme on doit le faire. Et c'est ça qui est en grande partie générateur de souffrance, même quand il n'y a pas forcément de harcèlement moral. Et c'est vraiment tout à fait ça. Je pense à Yves Clos qui était venu chez nous aussi, qui est un peu dans le même esprit. Alors en plus, c'est pas vous que je vais le dire, mais qui est dans son livre, c'était Le Travail à cœur. Il disait que finalement, les gens, c'est un peu ce que vous disiez, c'est des professionnels, mais ils ont envie, ils ont le cœur à l'ouvrage, ils ont envie de faire un travail avec leur cœur, c'est-à-dire pas simplement avec des chiffres, mais de bien faire leur travail. Quoi. Ils voulaient réhabiliter aussi le sens, non pas artisanal au sens comme on l'entend là, mais le côté de celui qui veut bien faire son métier. Quoi. C'est ce qu'il dit, c'est il souhaite rétablir le savoir-faire métier, c'est-à-dire la confrontation entre des gens qui sont sur le terrain, elle est très saine. C'est qu'à un moment donné, on met tout sur la table et on dit, ben voilà, et à un moment donné, on trouve une solution ensemble. C'est ce que dit notamment Claude. L'analyse a été faite, on sait quelles sont les solutions. Il faut simplement maintenant inverser la tendance actuelle. Mais bon, c'est bouger de montagne. Hein. On va y arriver quand même. Bien, merci Philippe Aymy. On peut vous applaudir une autre fois. On va attendre donc que le livre paraisse en poche. Désolé. Je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe qu'il soit bien vendu. Ça veut dire que le problème existe et que beaucoup de gens s'y intéressent quand même aussi. C'est peut-être pas le problème.